Bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui sont nouveaux. Bienvenue. Mon message de ce matin est adressé aux anciens. C'est-à-dire, vous avez commencé un travail spirituel et vous en êtes conscient. Peut-être que tu es nouveau et tu as commencé aussi à demander ta délivrance depuis des semaines ou des mois. Donc, ce matin, quand je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je dois leur dire? Il m'a dit, dis-leur ce qu'on t'a dit. Dieu a ce qu'on t'a dit, ce que toi-même tu as reçu comme message. Donc c'est ça que je vais partager avec vous. De purifier l'atmosphère. Je chasse tout mauvais esprit. Esprit de découragement. Esprit qui a voulu le faire abandonner. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, je reçois la parole. Je reçois l'inspiration. Et quand je parle, que tes anges soient là pour concrétiser ta parole qui va sortir de ma bouche. Au nom de Jésus, amen. Ok. Beaucoup d'entre vous j'ai dit, je vais majoritairement m'adresser à ceux qui m'écoutent depuis longtemps. Un mois, deux mois, trois mois, vous avez déjà commencé. En fait, l'esprit m'a montré qu'il y a certains d'entre vous. Vous sortez d'un cycle très long. Et c'est un peu comme si moi, on m'a mise au bout du tunnel pour vous aider. Donc, ça fait longtemps que tu es en train de chercher la délivrance de ta famille. Je sais pas pourquoi j'ai mangé la mangue hier. C'est calé sur entre mes deux dents. Donc, je vais m'occuper de ça après. Ça m'embête quand je parle en fait. On va prendre la parole parce qu'il y a beaucoup de promesses que je vais vous lire à partir de la Bible. Certains d'entre vous, vous connaissez le Seigneur depuis longtemps, vous lisez la parole depuis longtemps, mais ça n'avait pas de puissance parce que il manquait la partie pratique que vous avez appris avec moi. Oui, je fais des consultations. Il y a le numéro sur la page. Vous prenez le numéro, vous écrivez au numéro. Et il faut aussi des lavages. Donc hier, j'ai fait beaucoup de lavage. On a envoyé vos vidéos ont été envoyées. Si on ne vous a pas encore fait votre lavage, vous devez envoyer le message. On est le 5. Donc, ceux qui avaient leur règle, qu'on faisait le lavage en direct du premier, vous pouvez toujours venir dans nos locaux à Douala, Yaoundé, Libreville et à Abidjan. Vous pouvez venir là-bas aujourd'hui. On va encore faire une séance de lavage physique. Donc, vous venez sur place. Et je rappelle que les lavages sont en réduction. Je sens vraiment, tu vois, quand tu cours, quand tu faisais la résistance à l'école, tu cours et tu sais que tu es dans les derniers 50 mètres après avoir couru 20 minutes. C'est ce sentiment que j'ai ce matin. Certains parmi vous, durant cette année, janvier, février, mars, avril,
Ce n'était que des combats spirituels. Ce n'était que des combats, combat après combat. On retire telle chose sur toi. Le Seigneur te montre comment tu étais délivré de telle chose. Donc c'était combat après combat. Certains d'entre vous, vous êtes assez fatigués. Certains, vous êtes époustouflés. Vous êtes très fatigués. Donc, je dis bien, mon message ce matin est valable pour ceux qui ont... Tu es conscient que je me lave avec le sel depuis tel nombre de temps. J'ai commencé, je fais des jeûnes chaque semaine. Je fais des prières. J'ai déjà fait des lavages. J'ai déjà fait des ceci. Je fais des offrandes tout le temps. Cette année, j'ai fait des offrandes. Et je vous ai annoncé que décembre, c'est le moment clé de l'année où vous devez faire beaucoup d'offrandes, beaucoup de sacrifices. Sacrifices physiques d'animaux et sacrifices financiers. D'autres, peut-être, tu n'as pas d'argent, mais il y a quelque chose que tu aimes. Donne cette chose-là à quelqu'un. Avant de donner prix dessus. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez... Entre le moment où tu as entendu les promesses de Dieu, ça fait quelques années, et maintenant, il y a eu un long chemin. Et ce chemin était parsemé de challenges. Tu crois, à un moment, tu crois, ça veut donner, après, pouf, ça part. Tu rencontres un homme, ça veut donner, après, pouf, il disparaît, il te bloque. Tu trouves le boulot, tu crois qu'on veut t'embaucher. La veille ou le jour où tu vas commencer, on te dit que le boss, on a changé le directeur, il a renouvelé le personnel, je ne sais pas. Merci pour ceux qui ont partagé la vidéo. En anglais, on dit « sharing is caring ». Partager, ça veut dire qu'on s'inquiète pour la personne. Donc, je vous enseigne beaucoup et je vous ai dit, beaucoup d'entre vous, votre travail spirituel ne se passe pas en une journée. La délivrance est progressive. La libération des malédictions générationnelles est progressive. C'est quelque chose qui vient progressivement. Et je sais qu'en cours de route, en un an, je ne peux pas vous dire combien de personnes sont venues, étaient chaud. Ouais. Après, la personne disparaît. Parce que tu as commencé, après tu as compris que la fête, ce n'est pas la blague. On ne vient pas seulement pour dire, ouais, je veux, tu sais, la reine, j'aime ce que tu dis là, ça m'intéresse. À 2 semaines, tu n'es plus là. Donc, bonjour. Je vois les gens qui font que me dire que je pleure, les blocages. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas là pour pleurer avec vous aujourd'hui. Même ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous savez. Parlez de vos problèmes matin, midi, soir. Tant que tu ne fais rien, tes problèmes vont rester. Peut-être vous croyez toujours que Dieu va venir me sauver. Seigneur, voilà, pleurez. Allez pleurer. Vous avez suivi. Bonjour Monica. Dès que tu finis de pleurer, jusqu'à tu sais que non, il faut que je prenne maintenant ma vie en main. Reviens sur ma page. Il y a même l'émoji de la personne qui a les larmes qui ont se couler. Je n'aime même pas d'abord l'émoji là. J'ai pleuré longtemps, personne n'est jamais venu me sauver. J'ai attendu, personne ne s'est pointé. Tu passes ton temps à raconter des problèmes aux gens. Tu attends que quelqu'un vienne te sauver. Personne. À un moment, j'ai compris que nobody is coming.
I better just stand up and go, man. Bonjour, Paul de la Suisse. Rebecca, je me lève moi-même. Je marche. Et je vous ai expliqué, le travail spirituel, ce n'est pas seulement dire que tu vas te laver avec le sel. Le travail spirituel, ce n'est pas seulement dire que tu vas te laver avec le pipi. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, j'enseigne énormément sur tout ce qu'il y a à faire. Je ne reviendrai pas sur ça aujourd'hui. Donc, si vous venez de tomber sur ma page, prenez le temps. Si vous ne pouvez pas laisser, vous suivez, non. Si vous ne pouvez pas, Tarnan va continuer à souffrir. J'ai au moins 300 vidéos sur YouTube. Au moins 300 vidéos. Pourquoi vous êtes tombé sur ma vidéo pendant 2 mois? Vous allez faire le bain de pipi une fois par mois. Et après, vous allez venir, votre vie va changer. Pour te bloquer, quelqu'un est parti dépenser 1 million ou 2 millions. Tu viens, tu prends un petit pipi, tu mets là comme ça, là, 2 fois. Tu crois que ça va finir? Aïe, aïe, aïe. Vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas encore. You don't understand yet. Et je vous ai dit, ça vient de la mentalité qu'on vous a appris à l'église. Donne-moi tes sujets de prière. Je vais prier pour toi. Et Dieu va t'aider. Tu écris ta 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 ta. Tu déposes. Tu vas te coucher chez toi, tu dors. Ok. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Même ceux qui font seulement les déclarations. J'ai fait mes déclarations. Ok. Tu as fait les déclarations depuis 2 ans, non? Qu'est-ce qui change dans ta vie? D'accord. Si on commence à parler le même langage, c'est bon. Bon, laissez-moi maintenant annoncer la nouvelle que je suis venu annoncer. Parce que je suis fatigué de la paresse des Africains. Vous êtes d'abord paresseux au point où vous ne pouvez pas voir que votre vie est bloquée. Vous êtes paresseux. Et ne t'inquiète pas si tu as commencé ton travail. Tu es parmi tes frères et soeurs. Tu as envoyé mes vidéos de groupe familial. Personne n'a jamais commenté. Personne n'a même pris le temps pour aller regarder une de mes vidéos. J'ai des personnes qui passent le temps à payer le travail pour leurs frères et soeurs. Il y a une comme ça. Elle aime tellement sa soeur là que elle a payé. Elle a dépensé près de 700 000. Pas sur elle, sur sa soeur. Sa soeur était partie du pays depuis près de 15 ans. Elle est allée rester dans un pays africain là-bas comme ça, calée là-bas. On fait le premier travail, elle dit, ah. Et elle ne se parlait même plus. Elle dit, ah, ma soeur a recommencé à me parler. Après, elle dit, waouh, ma soeur veut maintenant voyager pour aller dans notre pays. Alors que sa soeur était enterrée dans le pays là. Sa soeur avait des problèmes d'argent là-bas, les dettes. Après, ma soeur a commencé à rembourser ses dettes. Ma soeur a fini de payer ses dettes. Oh, je vais venir rencontrer ma soeur. Quand elle arrive maintenant, sa soeur elle-même commence aussi à faire son travail elle-même. Très rarement, je vais voir des personnes qui ont cette patience sur leur soeur ou leur frère. Parce qu'à une époque aussi, cette personne, si sa soeur intercédait beaucoup pour elle, sa soeur faisait beaucoup pour elle. Donc ceux d'entre vous que vous voulez, vous entre vous, on dit c'est gosier. Tu te casses la tête chaque jour pour parler à ta famille. Personne ne t'écoute. Sors-toi d'abord du trou. Il y a un certain statut financier que quand tu arrives et qu'ils ont essayé de détruire n'importe comment, ils voient qu'ils ne peuvent pas. Après, ça ligne derrière toi. Ils disent, mamie, viens, porte ton sac. On commence à t'appeler tata. Tes oncles commencent à appeler tata. Oui. On commence à dire tata, oui, tata. Je dis, mais tonton, tu as changé mes couches, non? Tonton, comment tu peux m'appeler tata? Tu vois ta tante qui t'a tapé quand tu étais petite là. Maintenant, tu grandis, t'appelles tata maintenant. Donc,
Moi, vous dis ça, je vous donne juste des. Ça, c'est les erreurs que vous commettez. J'ai dit à ma soeur ne peut pas venir faire. Tu es bête. Il est crazy. On vous parle de sagesse, vous êtes toujours là comme ça, cougna, cougna. Partez toujours. Donc, beaucoup d'entre vous, votre. Mon compte YouTube, ça s'appelle The Gift Digger Academy. The Gift Digger Academy. Je devrais normalement vous passer un lien ici. Attendez un peu. THE. Attendez, je vais faire un commentaire sur TikTok. Je ne sais même pas comment. Si quelqu'un peut écrire, qu'il écrive sur TikTok, mettez le nom du groupe. Je ne sais même pas comment écrire ici là. The Gift Digger Academy. Bonjour Léa. THE espace. GIFT espace. Donc The Gift Digger. DIGGER espace. Académie. Bonjour, bonjour à celles qui viennent de se réveiller. Les enfants sont partis à l'école. Bonjour. On est dans la voiture, on va déposer les enfants. Bonjour. Sur des États-Unis là. Merci beaucoup, petit moment ensemble. Sur des États-Unis qui sont en train de vouloir dormir là. Miranda, tu m'as connu par hasard sur YouTube. Ok. Ok. Certains d'entre vous, vous avez tellement souffert dû au conditionnement de votre famille et aux malédictions dans lesquelles vous êtes nés. Oui, on naît dans des malédictions. Peut-être tu nais. Je ne parlerai pas de vos rêves ou de vos problèmes. Hein. Donc, si vous posez des questions, je vais moi vous répondre. Je dis bien, si mon direct n'intéresse pas quelqu'un, il se déconnecte, il part. Cache. Si tu veux qu'on parle de ton problème, tu prends une consultation. Je suis disponible et te consulte. En Côte d'Ivoire, on est à Abata. Il y a le numéro sur la page. Prends le numéro, tu appelles, tu pars là-bas. Si je ne peux pas te casser, me prendre le numéro sur la page, je te laisse. Parce que quand tu es même pas reçu pour chercher le numéro comme ça, là, quand tu vas venir te donner des choses à faire, tu n'as pas fait. Donc, bêta, tu laisses toi une fois. Genèse chapitre 1, verset 26. Certains d'entre vous, vous êtes nés dans des familles où. Même le fait que tu sois arrivé en Beng, c'était comme le miracle. Donc, tu crois que ta vie, donc tu as réussi, c'est l'apogée, le summum de ta vie. J'ai pu sortir du pays. Là où tu es là, ta vie ne donne pas. Donc, depuis que tu as commencé ton travail spirituel, tu as commencé à faire des rêves où tu te vois avec les stars. Tu as commencé à faire des rêves où tu vois, on te donne l'argent. Ton travail spirituel est en train de te restaurer ce que tu étais censé avoir depuis le départ. Il y en a, vous commencez à devenir riche. D'ailleurs, tapez ici, là, je suis riche. J'ai eu des moments où j'écrivais, je suis riche comme ça, là, que je n'avais même pas 5 francs. Et maintenant que. En parlant, disant que je suis riche comme ça, là, que j'ai ça vrai, vrai. Voilà, je suis riche. TikTok, vous commentez très vite, ça c'est bien. Facebook, là, ce sont les mères qui sont en train d'avoir les enfants le matin. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine. Tu as tellement souffert que tu ne sais même pas que tu es censé être riche. Tu ne sais pas que tu es censé dominer. Tu as lancé tellement de business à échouer. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles. Tu es censé avoir l'autorité. Tu es censé dominer. On va prendre Josué chapitre 1, verset 3. Partout où tu vas, Josué 1, verset 3, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied,
Je dis même encore tout territoire où mes vidéos peuvent être diffusées. J'étends encore plus que ça. Je vous le donne. Écoute, il y a certaines choses que Dieu t'a dites. Tu as tellement douté parce que ta condition première, ta condition initiale de ta famille était tellement dérisoire. Et ça devient difficile pour toi de croire même. Tout commence par ta croyance. Il y en a parmi vous, vous devez sortir, vous vous mettez là où il y a votre ville. Vous partez sur un endroit qui est élevé. Vous parlez à cette ville. Josué chapitre 6. Tu as dit à Abraham que vas-tu te mettre, tu regardes la ville. Il dit que tout endroit que tu vas voir, tout ce que tu peux percevoir de tes yeux, je te donne. Et quand Dieu a envoyé quelqu'un quelque part, avant qu'il fasse quelque chose dans ta vie, il doit d'abord changer ta façon de penser. Donc ne te dérange pas si tu as fini ton travail spirituel, mais tu ne vois rien physiquement. Tout doit d'abord être établi dans le spirituel, avant que le physique se manifeste. Et parfois vous êtes impatient, vous ne connaissez pas attendre que le spirituel accouche. Ce n'est pas pour rien qu'une femme porte l'enfant 9 mois. Dans les 3 premiers mois, elle porte l'enfant par la foi. Qu'est-ce qui te dit que l'enfant est dans le ventre? C'est un bout de truc que tu as pris, tu as mis dans ton urine, ça t'a montré que tu es enceinte. Tu as la foi seulement. Tu portes l'enfant là par la foi. Beaucoup d'entre vous ne connaissez pas comment Dieu fonctionne. Chaque fois que Dieu a pris quelqu'un, quand Moïse est mort et qu'il a commencé avec Josué, il s'assure d'abord qu'il donne des promesses à Josué. Josué a marché avec Moïse tout le temps, il voyait comment Moïse faisait ses choses. Il voit comment Moïse marche. Il voit comment Moïse agit. Quand son tour arrive, pourquoi Dieu n'a pas une fois dit que parfait? Il a encore pris le même processus qu'il a commencé avec Moïse. Allez voir dans Exode chapitre 1, 2, 3. Quand il appelle Moïse, il le teste d'abord. Mets ta main dans ton sein, il met. Il retire, il voit la main est devenue lépreuse. Après, il remet encore, il remet. Il retire, il voit ça guérit. Prends ton bâton de commandement là, lance au sol. Il lance, ça devient le serpent. Il attrape ça par la queue. Il voulait d'abord tester le courage de l'homme-ci, son courage. On te dit, prends le serpent par la queue, mon frère. Et ce n'est pas une voix audible, c'est une voix dans ton cœur qui te parle. Regarde, si je touche le serpent, s'il me mord, je veux dire qu'il faisait partir. C'est quoi ces affaires de foi, si? La foi, hein? La foi, hein? Ah, je dois faire des cours sur la foi. J'en faisais avant. 2019 et 2020, j'en ai fait. La foi. La foi. Quelqu'un sort de chez soi à 75 ans, Abraham. Alors qu'il pouvait attendre que son père meure, il prend la maison de son père. Il laisse tout. Dieu ne lui dit pas, tu vas devenir plus riche que ton père. Tu vas avoir l'enfant. Je suis marié depuis 40 ans, je n'ai pas l'enfant. Tu me dis qu'il va avoir l'enfant comment? Il ne se lève pas. Genèse 12, Abraham part. Genèse 13, verset 1. Abraham était très riche. Et regardez quand il a appelé Abraham, les promesses qu'il lui a données. Votre problème, vous avez un problème de croyance, de foi. Et Dieu parle par plusieurs moyens. Il parle par les rêves. Les songes, il parle par tes songes. Et même dans les songes, tu dois savoir interpréter tes songes. Il peut parler à travers un message comme celui-ci. Tu te lèves le matin, je ne sais pas ce que tu as fait sur Facebook ou sur TikTok, tu tombes sur moi. Ce que je dis, c'est comme si ça arrivait quelque chose en toi, ça. Ça t'active, tu dis, mais. Oui.
peux prendre la parole, tu lis. Un mot sort, clap, tu dis voilà ma parole. Tu peux être dans une conversation avec quelqu'un. Il partage quelque chose avec toi. Et quand il te parle, ça résonne dans ton esprit. Tu dis waouh, ça c'est ma parole. Ça peut être que tu constates dans ton cœur, Dieu te parle dans ton cœur. Tu l'as dans la journée comme ça. Tu passes à côté d'un immeuble. Dieu te dit, revendique que tu auras aussi un immeuble comme ça ici. Une fois, tu dis seulement simplement, je te lève. Je proclame que j'aurai aussi mon immeuble comme ça. Tu vois la voiture de ta copine qu'elle vient d'acheter ou son gars vient de l'aimer. Tu rentres dedans, Dieu te dit, réclame ta part d'argent de voiture. Dieu parle par plusieurs façons. Voilà. On va lire Josué chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tu peux même proclamer ça là où tu es. Je suis au Sénégal, je reçois ce Sénégal. On ne dit même pas qu'il faut que ce soit ton pays natal. On dit, il n'a pas dit cela que tu as les papiers dans le pays là. Est-ce que vous vous bloquez souvent vous-même? Tu es là-bas en France, comme tu n'as pas encore la nationalité. Dieu te dit, je te donne la France puisque tes pieds ont touché la France. Ah, comment est-ce que je peux proclamer le truc sur le pays que je n'ai même pas? Je n'ai même pas les papiers. N'aime pas le boulot ici. Vous devez savoir comment Dieu fonctionne. Allons dans Genèse chapitre 12. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et commence avec les promesses. Je ferai de toi une grande nation. Dites Amen. Je te bénirai. Dites Amen. Je rendrai ton nom grand. Dites Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Dites Amen. Et l'un des principes pour se sortir du trou, les gens qui sont chiches, vous êtes radins. Dieu ne te bénit pas pour que ça reste pour toi. Regardez le processus par lequel il bénit Abraham. C'est ce qu'on aime quand on parle à l'église, on aime dire Amen. Yeah, Amen, Amen. Je suis béni, Amen. Amen. Quand on dit, oh, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Donc je vais donner aux gens. Comme tu reçois, ta main doit donner. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Donc les gens vont venir cueillir ton fruit, manger. Les gens vont venir écouter tes paroles. Ils vont être bénis. Les gens vont venir manger dans ton restaurant du cœur. Ils seront bénis. Les gens vont venir s'asseoir à ta table. Ils vont manger. Ils seront bénis. Allez voir le nombre de festins que David faisait. David reste comme ça. Il dit, let's have a 1 week party. Faisons une semaine de fête. Allez. Allez, on commence à tuer les mots. On tue les bœufs. On tue les bœufs. On tue. On tue. On tue. On tue. Il appelle seulement. Venez manger à ma table. Venez manger. Venez manger. Voilà Noël. Venez manger. Je suis sûr que dans votre quartier, vous connaissez au moins une personne. Il a une grande maison. Et tu as fait les fêtes. Il est en train de donner les choses aux gens. Et tu es en train de donner les choses aux gens. Ça te dépasse même souvent. Souvent quand tu veux donner, ça t'énerve. Mais tu ne dois pas donner à la femme, là, elle est méchante. Pourquoi tu donnes à l'homme aussi? Il est en train de ramasser ses bénédictions. Tu es là, tu fais la jalousie. Oh my God, Seigneur.
Donc, il y a un passage que le Seigneur m'a donné cette nuit, Nombre 6, verset 26. Nombre 6, verset 23. Parle à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, merci pour les roses que vous me donnez. Comme vous m'en donnez, je déclare la bénédiction sur vous en abondance. Merci Rodrigue. Comme tu me donnes comme ça, qu'aujourd'hui tu ne manques pas. Que tout ce que tu m'as donné te soit multiplié par 100. Et que ça te revienne aujourd'hui. 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 Vous savez, la générosité, hein, c'est quand tu pars quelque part, tu sens que je suis en train de recevoir. Il faut que je donne quelque chose. I need to give something. Tu peux pas quand même rester comme ça, j'écoute chaque jour. Et c'est que vous aimez partir dans les églises où vous arrivez, on vous dit, on passe la quête même trois fois. C'est au troisième tour que tu sors finalement 200. Tu donnes. Ma chérie, tu vas toujours manquer. Tu as les gens que tu suis sur Facebook. Hein? La personne là t'a déjà aidé jusqu'à. Tu ne peux pas dire le nombre de choses que tu as reçues. Mais tu n'as jamais ouvert ta main une fois. Faire un salaka dans le quartier. Donner même à quelqu'un en disant, ah Seigneur, comme j'ai reçu, il faut que je donne aux orphelins ici. Seigneur, comme j'ai reçu, il faut que je bénisse la personne qui parle, je reçois chaque jour. Non, tu es là chaque jour. Dès qu'il fait le direct, tu viens, pion, tu te connectes. Tu absorbes les bénédictions, tu absorbes. Tu prends, tu prends, tu prends, tu prends. Tu dis, hum. Parfois même mettre like, ça te dépasse. Même faire le bouton que j'aime là, ça te dépasse. Shame on you. Oh my God. Mais ne vous inquiétez pas. Les lois spirituelles sont de telle façon que... C'est comme si quand Dieu te donne d'abord, il te teste. Merci pour le cœur. Bonjour Pierre Hervé. C'est comme si quand il donne, il te teste. Il donne à la fille, il voit un peu comment elle va faire. Il donne, tu cales avec. Il donne, tu cales avec. On dit même que dîme, tu ne payes pas la dîme. Tu cales avec. Un moment, hein, tu commences à caler avec tes problèmes. Parce que les problèmes viendront toujours. Où tu veux? Il y aura toujours les problèmes. Parfois, on veut donner, mais on n'a pas. Va faire du bénévolat dans un orphelinat. Dès que quelqu'un me dit qu'il n'a pas, je sais que ça, c'est un chiche qui sera toujours pauvre. Et sûrement, tu vis chez quelqu'un. Tu vis chez quelqu'un sûrement. Parce que les parasites, tu peux construire le langage des parasites. Un parasite. Écoutez, hein, sois honnête avec toi. Si tu es un parasite, tu es un parasite. Un parasite, c'est quelqu'un qui vit sur quelqu'un d'autre. Tu vis chez la personne. Tu viens dépendre de ses finances. Tu es tout là pour prendre. Tu vas dans la chambre de ta soeur, tu prends son sac à main. Tu prends son huile. Tu prends son parfum. Tu prends ses essais. Tessani, ma chérie, tu viens prendre tes conseils sur ton avortement chez les gens. Hmm? Tu es enceinte, tu as peur d'accoucher, tu veux enlever. Mamie, pardon, va prendre tes conseils ailleurs. Je suis bien. On vient pas sur TikTok, dit qu'on est enceinte, on va avorter. Tu peux me la sagesse dans toi. Mais ne vous dérangez pas, la Bible dit que tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. Whatever a man sows, he will reap. Tout ce qu'un homme sème, il va récolter. Tu sèmes le vide sera multiplié, tu vas récolter le vide. Non, je vis chez mes parents, c'est vrai. Ah, je donne mes anciens vêtements. Je savais que tu vivais chez quelqu'un. Désolé. Parce que les gens qui vivent chez les autres ou aux dépens des autres, ils ont toujours une façon de penser. Like, tu ne peux pas juste sortir 1000 francs, tu donnes plus la nourriture à la maison. Parce que pour toi, tu n'as pas. Même si dans la journée, on te donne 5000, tu ne peux jamais rentrer. Dis à ta mère que voilà, maman, prends 1000 francs, qu'on paye la nourriture demain. N'aie pas l'habitude de toujours prendre chez les gens.
Tous les jours, tu es là, tu prends. Tous les jours, tu es là, tu prends. Même si c'est ton mari qui te donne. Ceux qui vont venir pour le lavage, venez à 11h. Si je dis 30, vous allez venir à 11h45 ou 50 ou 12h. Tu as 18 ans, tu viens en Afrique. C'est la personne qui dit qu'elle va voter. Le problème, c'est qu'en Afrique, même pour avorter, c'est encore notre problème. Tu parlais pour avorter, tu meurs même de l'avortement. L'Afrique est compliquée. C'est en Europe que tu peux aller pour avorter, tu es sûr que tu vas sortir du bloc. Donc, celle qui dit qu'elle va avorter, là, faut faire attention. Ok? L'Afrique est compliquée. Tu es en Afrique, tu es enceinte, tu peux avorter, tu meurs. Tu peux accoucher, tu meurs. Donc, tu n'as pas pour accoucher. Bon, après, prenez vos décisions comme vous voulez. Hein. Donc, j'ai dit le lavage, vous venez à 11h30 maximum. Si vous pouvez même venir à 11h, c'est bon. Comme ça, on peut faire un peu d'adoration avant de commencer. Donc, le lavage qu'on a fait le premier, c'était très puissant. Il y a eu vraiment beaucoup de délivrance, beaucoup. Donc, on va lire Nombre chapitre 6. Donc là, vous allez dire Amen, ok? Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Que l'Éternel vous donne la paix. Vous n'avez pas vu l'argent dans la bénédiction, sinon je vais vous montrer là où l'argent est. C'est la première chose qui dit que l'Éternel te bénisse. Proverbe 10, verset 22. Je vous dis, quand quelqu'un te dit que je te bénis, je vais te dire ce que ça veut dire. Pardon. Ceux qui sont à distance, vous envoyez votre photo avec l'argent. Avec votre photo, je vais faire la même chose. Et ceux qui ont payé à distance, à l'heure où on fait la réunion, vous pouvez vous connecter aussi sur Zoom. Et à partir de chez vous, vous suivez en même temps. Donc, Proverbe 10, verset 22. Quand quelqu'un te dit, je te bénis, voici ce qu'il t'a donné. Hein. 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voilà la définition du mot béni. Ça veut dire, je t'enrichis. Les gens qui aiment la pauvreté là, comme vous aimez être pauvre. Donc, quand il te dit, je te bénis, ça veut dire que je t'enrichis. Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, je vous enrichis. Et j'enlève tout chagrin qui pourrait suivre. Amen. Ok. Donc, ceux qui sont à distance, qui veulent faire le lavage à distance, vous envoyez votre photo. Actuellement, il y a des promotions. Que ce soit en Europe, que ce soit au Cameroun, peu importe votre pays, le lavage à distance, c'est 20 000 francs au lieu de 33 000. 20 000 au lieu de 33 000. Voilà. Donc, je vais passer dans la partie spirituelle de ce que j'ai à vous dire. On était déjà dans le spirituel, mais... Ok. Beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui font le bon du pipi, écoutez un TikTok. Je sais que sur TikTok, vous êtes assis, vous tentez les gens. Et parfois, vous faites comme si vous êtes un peu, comme si la tête ne fonctionne pas bien. Je dis ceux qui sont à distance, quand tu es au Congo, tu es à distance. Même. Je dis ceux qui sont à distance, si tu n'es pas à Libreville, si tu n'es pas à Douala, si tu n'es pas à Yaoundé, si tu n'es pas à Abidjan, ça veut dire que tu es à distance. Donc, tu envoies ta photo et tu envoies l'argent. Moi, je n'aime pas les gens qui sont belles et bêtes. Quand tu es belle et bête, ne me suis pas toi. Faut pas dire que je la connais. Même si tu me vois en route, fais comme tu ne me connais pas. Voilà. Donc, surtout ceux qui font le bain de pipi, qui en ont fait pendant les 7 premiers jours de décembre, il y a des choses que le Seigneur est en train d'activer en vous. Entre autres, vos capacités, vos dons. Donc, le Seigneur m'a dit, dans cette période, beaucoup d'entre vous, vous allez commencer à monétiser vos dons.
Donc, vous avez commencé à monétiser vos dons. Beaucoup d'entre vous, vous aviez vraiment de la peine à... Donc, peut-être tu sais que tu as les mains qui guérissent. Mais tu avais honte de partager avec les gens. Parce que j'ai un moment aussi qu'il y avait des gens qui avaient peur d'exposer leurs dons parce qu'ils avaient peur qu'on vienne prendre. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez avoir le feu vert. Vous aurez la plateforme et vous aurez le courage pour maintenant sortir, montrer vos dons aux gens. Ce n'est pas dire que tu vas mettre la table en route, tu vas commencer à guérir les gens sur la table. Non. Beaucoup d'entre vous, vous allez faire votre plateforme, genre Facebook, YouTube, TikTok, quelque chose comme ça. Ok, donc. Tu ne dois pas forcément être connecté pendant le lavage à distance. Si tu veux, si tu es au travail, tu n'as pas besoin de te connecter. Parce que je t'enverrai une vidéo après. Une vidéo te sera envoyée. L'argent s'envoie par PayPal, Western Union, ceux qui sont aux États-Unis et tout ça, Sendwave aussi, ou bien TapTapSend. Donc voilà les moyens par lesquels vous pouvez envoyer les sous. Et quand vous envoyez une capture d'écran avec votre photo et votre nom. Je veux un portrait, ne m'envoyez pas la photo de vos pieds. Le visage, c'est suffisant. Donc, je continue l'enseignement. Je rappelle qu'on a aussi des soldes sur les kits. On a des réductions de 10% sur les kits. Et puis, ceux qui répondent bien aux questions, je crois que c'est 15% de réduction. Pas sur l'envoi, mais sur le kit. Donc, si ton envoi, c'était 60 000, ça reste 60 000. Maintenant, ton kit, s'il si coûtait 50 000 ou 55 000, il va coûter maintenant 50 000. Écrivez au numéro, vous allez vous saurez combien payer. Ouais, je dois absolument avancer avec ce message. Ok, écrivez le numéro et sur la page. Donc, beaucoup d'entre vous, vous aviez depuis le 1er décembre, vous sentez une reconnexion avec vos dons. Vous sentez la voix de l'esprit est très forte. Elle est devenue très forte dans votre esprit. Vous sentez... la nuit, vous avez beaucoup de messages qui arrivent. Même dans la journée, quand vous marchez, vous avez beaucoup de... Je ne sais pas, dans la journée, tu vas faire tes activités, mais tu es un peu plus sensible. Peut-être avant... Maintenant, l'esprit te dit... Approche-toi là-bas. Fais ça. Donne 500 à l'enfant là. Fais comme ça. Donc, la voix de l'esprit devient un peu plus forte. Il y en a aussi, vous avez des capacités psychiques. Donc, vous êtes médium. Beaucoup d'entre vous, vous avez plusieurs dons qui sont en train de se réveiller. Vous savez, en Europe, je sais que les Noirs qui sont en Europe ne sont pas encore trop ouverts à cela. Mais le blanc a développé ses capacités spirituelles, si bien que quelqu'un qui peut guérir avec les mains, par exemple, il va ouvrir son salon de massage ou de Reiki. Tu viens, tu payes, il utilise ses mains, il t'est guéri. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore très négligé dans la communauté africaine. Donc, il y a aussi beaucoup d'entre vous, les Kamsil, les gens qui sont appelés, qui ont des dons spirituels, qui sont appelés à guérir. Dans cette saison, vous allez être très... vous allez avoir beaucoup de... Les ancêtres vont vous reparler encore. Marie-Lise, bonne chance pour tes savons. Quand tu vas lancer tes savons, il faut faire une offrande pour ton business que tu es en train de commencer. N'oublie pas. Quand tu lances un business, tu paies la dîme de tes ventes
Et tu dois aussi payer les prémices, une sorte d'offrande pour commencer. N'oublie pas. Donc, comme je le disais, le prochain lavage est prévu le 5, c'est-à-dire aujourd'hui. Et après ça, chaque semaine, on fait des lavages. Donc, si vous envoyez pour les chaque semaine, vous envoyez votre photo, on fera votre lavage. Donc, je reviens sur vos dons. Je vais pas arrêter de lire les commentaires, je vais revenir sur les dons. Il y en a parmi vous, vous aviez. Il y a une période même où vous avez commencé. L'esprit me montre qu'il y a même certains où vous avez commencé à pratiquer. Et vous avez eu un grand coup. Vous avez abandonné. En fait, c'était un plan de l'ennemi. Sachez qu'à la base, l'ennemi ne veut pas que tu utilises tes dons. Je sais que c'est difficile pour certains d'entre vous de le croire. L'ennemi ne veut pas que tu utilises tes dons. Et ce sont vos dons qui vont vous rendre riche. Je sais que vous avez 50 business. Vous avez 50 trucs que vous faites. Mais ce qui va te donner l'argent, c'est quand tu vas commencer à ouvertement utiliser tes dons pour soigner les gens. Il y en a parmi vous, vous lisez très bien les cartes. Bonjour Amanda. Vous lisez très bien les cartes. Mais vous êtes toujours dans votre petit boulot d'aide-soignante à 1500 euros le mois. Qu'on enlève les taxes, tu te retrouves à 1300 euros. Donc beaucoup d'entre vous, vous allez avoir l'espace est ouvert pour que vous puissiez sauter dans votre don. Je dirais vos dons. Parce que quand il me parlait, il me montrait que vous avez beaucoup de capacités. Il y a aussi beaucoup d'entre vous, vous étiez des sirènes cachées. Je le dis bien. Des sirènes cachées. Donc tu es attiré par l'eau depuis longtemps, tu ne sais pas pourquoi. Tu rêves souvent que tu es dans l'eau. Tu aimes beaucoup les courriers. Acheter des coris, acheter des bracelets de coris, des colliers de coris. Donc, vous allez avoir beaucoup. Vous allez aussi être très attiré par l'eau. Parfois, tu as raison, ça là. L'esprit va te dire, va t'asseoir au bord d'une piscine. Ou bien va à la mer, t'asseoir. Parce qu'il y a ton côté abondant. Parce que les sirènes sont des gens qui ont beaucoup, qui sont censés avoir beaucoup d'argent. Et quand tu acceptes cela, parce que malheureusement, celles qui sont tombées dans les églises, on vous a fait croire que ce qui est en vous est négatif. Ce qui fait que tu as abandonné tes capacités. Et quand tu les as abandonnées, ça te parle maintenant dans les rêves. Ça t'appelle dans les rêves. Tu restes la nuit comme ça, tu vois des trucs. Parfois, tu peux te voir en train d'être couronné. Parfois, tu peux te voir sur une chaise. On est en train de te mettre sur une chaise. Ce sont les gens que vous êtes déjà. Vos dons sont prêts à être exploités. Donc, ils m'ont dit, je dois vous annoncer que c'est le moment. Ne vous cachez plus. Donc, il y a aussi. Il y en a, vous avez aussi les capacités, vous vous déplacez dans les rêves. Donc, certains d'entre vous, parfois il y a des semaines où beaucoup de personnes vous voient dans leurs rêves. La personne te dit, mais je t'ai vu dans mon rêve. 2 jours plus tard, quelqu'un te dit, je t'ai vu dans mon rêve. C'est comme s'il faut demander que je faisais quoi. Donc, vous avez la capacité de quitter dans votre dimension pour aller dans la tombe. Tu peux quitter dans ton rêve et tu peux dans le rêve de l'autre personne. Donc, ça, ce sont des capacités que je dois vous en parler ce matin. Est-ce que vous avez un peu négligé ça? Et il me dit de vous dire que le temps est arrivé pour activer. N'ayez plus honte. Beaucoup d'entre vous, vous êtes les précurseurs. Vous serez les premiers dans la francophonie à faire ces choses-là. Chez les Noirs. Et vous êtes en train de vous accrocher à un mariage où le monsieur ne veut même pas entendre parler de vos capacités. Et ça vous bloque. Je parle comme ça, je sens vraiment
Si je parle et puis vous sentez vos mains vibrer, vous sentez vos bras, vous sentez l'énergie dans vos bras ici. Donc, il y en a aussi, vous avez le pouvoir du feu. Vous avez le pouvoir du feu. Et vous n'avez pas exploité ce pouvoir. Donc, parfois tu te réveilles dans la nuit comme ça, tes mains chauffaient. Et ça revient toujours à l'église. Hein. Vous êtes arrivé dans les églises, on vous a découragé. Tu as raconté tes rêves au pasteur, il disait que tu étais une sorcière. Et c'est comme ça que tu te retrouves maintenant. C'est comme si tu ne veux même plus entendre parler de ça. Mais ça revient constamment. Le truc avec les rêves, c'est que tu ne peux pas fuir tes rêves. Tu ne peux pas fuir tes rêves. Tes rêves sont là. You cannot do anything about it. Tu peux refuser dans le physique. Mais dans les rêves, là, ça va venir. Et il y a aussi certains de vos guides qui étaient avec vous, qui vous ont, avant que vous ne veniez sur terre, ils étaient avec vous. Donc, si dans la journée, vous ne faites pas ce qu'ils veulent que vous fassiez, dans la nuit, ils vont venir dans vos rêves. Parfois, ils vont venir sous la forme d'une grand-mère. Parfois, ils vont venir sous la forme de ta tante. Je ne sais pas, ils vont venir sous forme de quelqu'un d'autre. Comme ça, ils vont te... Le but, en fait, c'est de te rappeler que tu as laissé ce que tu étais censé faire. Il y en a, depuis, vous voulez démissionner pour vous lancer, pour ouvrir votre salon de massage, pour ouvrir votre... pour ouvrir une école de spiritualité, voilà. Le temps est arrivé, voilà. Je le dis encore ce matin, mon message n'est pas pour tout le monde, ok? Parce que pour ce mois de décembre, ils m'ont dit, si tu ne te lances pas, tu ne peux pas avoir ce qu'ils t'ont promis. Si tu ne te lances pas, je répète, tu ne peux pas avoir ce qu'ils t'ont promis. Il y en a parmi vous, ils vous ont trouvé, vous étiez comme Moïse en train de vous occuper des brebis. Et là, on t'appelle que tu dois retourner. Tu dois retourner en Égypte pour délivrer ton peuple. Et vous étiez un peu confuse parce que vous aviez peur. Ok, si je laisse ça, je vais faire comment pour manger? Quelqu'un qui répond à un appel. Luc chapitre combien? Si on trouvait ça. Luc 6, Luc 4, Luc 6, quelque chose comme ça. Il a dit, personne n'a jamais laissé son père, sa mère, sa famille. Et pour répondre à l'appel de Dieu, il n'a retrouvé cela multiplié par 100 dans cette vie. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez peur. Vous ne pouvez pas laisser ce que tu es en train de faire de mauvais, on va dire. Pas de mauvais, mais parfois ça ressemble, tu es en train de faire ton boulot. Et puis on t'envoie, tu reçois ton appel. Tu dis maintenant, ah, je vais laisser le métier, c'est à qui? Ah, je ne trouve pas. Quand j'ai lu ça ce matin, donc tu ne peux pas laisser. C'est fou parce que ce que tu retrouves dans cette vie, c'est la même chose que tu as trouvé, que tu avais laissé avant. Mais c'est plus grand. Et c'est important de laisser d'abord parce que beaucoup d'entre vous, vous craignez ce que les gens vont dire. Voilà, je suis arrivé dans le pays ici. Quand j'ai obtenu cette situation, les gens me disaient que je... Waouh, tu es bien. Hein? Tu travailles. Waouh, tu es bien. Hein? Tu sais combien de personnes veulent être infirmières? Et ce métier ne t'appelle plus. Donc,
tu as laissé un mari, tu as laissé une terre, tu as laissé des enfants, tu as suivi l'appel. Et il dit encore que tu as retrouvé un mari, tu as retrouvé des terres. Donc tout ce que tu as laissé, tu retrouves ça multiplié par 100. Bon, il y a aussi beaucoup parmi vous, je vois quelqu'un qui disait qu'elle rêve trop. Certains parmi vous, votre capacité spirituelle, vous êtes quelqu'un que vous pouvez beaucoup, vous voyagez dans les rêves. Parfois vous voyagez pour aller guérir d'autres personnes. Parfois vous voyagez pour aller... Donc tu peux rester comme ça, là tu es peut-être en France. Dans le rêve, tu te vois dans 4 pays. 4 pays. Donc dans ton rêve, tu vas te voir, tu es à Dubaï, après tu pars à Washington, après tu pars à Bafoussam, après tu pars en Belgique, alors que tu vis en France. Tout ça dans une même nuit. Et vous savez, ce sont des... Il y a des capacités que l'Église a qualifiées de sorcellerie. Ce qui fait que souvent, quand vous avez même ça, vous vous réveillez le matin, vous commencez à prier. Oh, à rebuke. On dit quoi là? À rebuke. Tu commences à rejeter. Alors que c'est toi, ça fait partie de toi. Et puis, l'argent va aussi commencer à être évident pour vous. Tu sais, quand l'argent doit venir vers toi, hein, très rarement l'argent va te surprendre comme ça, genre, oh oh. L'argent va... Tu vas d'abord te lever, tu vas sentir que... Avant, quand je voyais 3 millions, le problème de 3 millions, c'était comme si c'était une montagne comme l'Everest. Tu te lèves un matin, tu penses au problème de 3 millions, tu dis... 3 millions, je résous ça en une journée. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ce qui était un problème pour toi avant, tu n'as pas encore les 3 millions, hein. Mais 3 millions est devenu facile pour toi. C'est comme ça que ça commence. Et il y a aussi beaucoup d'entre vous, il y a des barrières générationnelles que vous avez brisées. Il y a des malédictions de génération dans votre famille que vous avez brisées. Donc dans votre famille, vous aviez beaucoup... beaucoup de blocages familiaux. Genre, tu es né dans une famille où vous étiez censé être des artistes ou des stars. Merci pour les fleurs, Dada. Mais toi et tes soeurs, cousines, vous êtes tous bloqués dans un même pays. Vous n'avez même pas les papiers. Maintenant, je commence ton travail spirituel. Et puis, à un moment, bam, tu obtiens tes papiers. Bam, tu entres en studio. Bam, tu vois, non. Et là, tu commences à te dire, waouh, waouh, je vais bientôt signer un contrat avec une maison de production. Waouh, tu vois comment les choses sont en train de... Tu as brisé une barrière familiale. Ou bien tu commences à exercer un métier qui te fait beaucoup voyager. Bonjour, bijoux. Merci. Même le soleil est d'accord avec ma beauté aujourd'hui. Le soleil confirme ma beauté. Comment ça sort même pour m'embellir? Le soleil confirme ma beauté ce matin. Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows, now I am free. And I lead you where did you do? On fait une petite pause. Because of Jesus, every day, na shakarari.
Daddy, ever the blessing, your body follow me. Noël a dit prochainement que je vais maîtriser. C'est compliqué, c'est pas n'importe qui touche ma tête. Parce que je suis un sac d'onction, ma chérie. Donc vraiment, pour toucher ma tête là, c'est compliqué. Si tu as pas un bon esprit, tu commences à me dire, même si tu vas toucher ma tête comme ça, je vais te dire que pardon, please, leave him. Bon, on revient dans ce que je disais. Donc, ce qui va se passer et qui est déjà en train de se passer, vous allez avoir le courage. Parce que beaucoup d'entre vous, vous aviez honte de vos pouvoirs. Donc, ils sont en train de vous donner le courage. Certains, vous allez carrément lancer votre ministère. Et vous allez remarquer que dans cette période-ci, beaucoup de personnes vont venir vers vous. Certains vont venir vous donner des témoignages. Ah, tu te rappelles quand tu avais fait telle chose pour moi? Ça m'a aidé. Et plus les personnes vont te dire, plus ça va fortifier ta puissance toi-même. Je me rappelle, plus on te parle de ce que ton pouvoir a fait, plus tu as confiance en ton pouvoir, plus tu veux donner ton pouvoir à l'univers. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous allez devenir très riches, super riches. Super, super riche. L'année 2023, c'est la maximum mars. Actuellement, ton loyer de 500 euros que tu payes avec difficulté. Quand tu payes, tu dis, ah, maintenant, tu peux me chercher à aller vivre dans l'endroit de 1500 euros, 2000 euros. Ça, c'est pour te dire le confort dans lequel tu vas entrer. La voiture que tu voulais acheter, payer en 4 ans. Tu vas aller prendre la voiture, tu vas payer cash. Je rappelle ceci. Aujourd'hui, dans la vidéo, je suis en train de parler. On m'a demandé d'annoncer à ceux qui ont déjà fait un travail spirituel ce qui est en train de vous attendre. Il y a beaucoup de choses que vous attendiez depuis. C'est comme un nuage qui était sur votre tête. Je dois vous annoncer ce qui va tomber sur vous maintenant. Donc, je ne rentre pas dans les problèmes. Si quelqu'un ne me suit pas depuis, et il me commence à me dire que wow. L'argent viendra d'où? Ça va tomber du ciel, Rosanne. Tu as compris? Tu vas rester en ça dans la journée, ça va tomber comme la pluie tombe. Ça, c'est les paresseux qui demandent que l'argent va venir d'où? Ça, c'est les paresseux. Très paresseux. Gabriel, si tu fais le don pour l'orphelinat, tu dois envoyer un message, tu précises que j'ai fait le don pour l'orphelinat. Précise, tu dis que voilà, ça c'est pour l'orphelinat. Parce qu'on a tellement de dons qui arrivent chaque jour. Il y a beaucoup de messages qu'on arrive, beaucoup d'argent. Donc, tu dois absolument préciser que ça c'est. Voilà, l'envoi, ce que j'ai fait, c'est pour l'orphelinat. Donc, il y en a parmi vous. Avant, quand vous avez commencé à monétiser vos dons, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Tu as commencé même 3 fois, tu t'es découragé. Maintenant, dans cette saison, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est comme si on te donnait l'opportunité. On va te donner une plateforme. Peut-être tu es transitaire. Peut-être tu es... je sais pas, tu travailles à la douane, tu aides les gens à faire sortir leur voiture, je sais pas, des trucs comme ça. Tu n'as jamais eu de gros contrats. Et tu sais que tu en as les capacités. Maintenant, les choses qui te bloquaient pour que tu ne puisses pas accéder aux gros contrats, ces choses ont été soulevées. Peut-être que tu es agent immobilier. Tu vas commencer à faire de grosses ventes. C'est-à-dire que tu vas vendre des terrains de 500 millions. Donc, on voit ta commission sur ça, ce n'est pas la blague.
Bonjour et bienvenue à ceux qui sont là. Vous allez aussi, beaucoup d'entre vous, vous allez vous déplacer. Dieu vous a montré de cela des années que vous êtes censé voyager et ça ne se faisait jamais. Vous aurez une opportunité ouverte calmement, simplement. Bon, vous n'allez même pas comprendre comment. Et c'est comme ça que tu vas voyager. Après, tu vas quitter là, tu vas partir ailleurs. Après, tu vas quitter long. Il y a ce genre, je vois beaucoup d'entre vous en train de faire ce genre de surtout tous ceux qui voyagent beaucoup la nuit. Donc dans tes rêves, je te vois être trop dans beaucoup d'endroits. Parce que dans ton notion, tu es censé voyager. Ça, c'était bloqué. Maintenant, je t'annonce que c'est débloqué. Je vous ai encore dit, je ne parlerai pas de vos problèmes aujourd'hui. Je ne parlerai pas de vos malédictions. Je ne parlerai pas de. Donc si quelqu'un est là pour se plaindre, quitte ma vidéo. Il ne veut même pas lire ton commentaire. Y en a parmi vous. Vous aviez peur d'utiliser l'argent que vous avez pour faire ce que le Seigneur vous avait mis à cœur depuis. Et il me dit de vous dire que vous allez semer. Je crois que c'est quelque chose que tu devais donner à quelqu'un depuis. Tu devais faire un don énorme quelque part à quelqu'un. Depuis, tu retenais parce que tu avais peur que si le don devait prendre l'argent où? Il a dit, quand tu vas faire ce don, tu es en train de passer dans une autre dimension financière. Il y a beaucoup de personnes qui vont quitter autour de toi. Beaucoup de personnes avec lesquelles tu parlais souvent là. Parce que quand ils s'asseyaient, ils faisaient les faux trucs, les faux commentaires qui ne t'intéressaient pas. Donc tu vas perdre ces contacts. Tu vas perdre. Vous n'avez plus rien à vous dire. Vous n'avez plus rien à vous dire. Donc ils vont quitter de ta vie. Seul. Hein? Voilà, il y en a, je vous vois en train d'ouvrir votre magasin ou bien je vois une personne qui a ouvert un truc, elle est en train d'accueillir les gens. Tu as trop galéré pour ouvrir ton salon à toi. Ou ton restaurant, ou un endroit où tu vends les habits. Et pendant les semaines qui arrivent, tu vas finalement ouvrir. Finalement. Il faut que tu saches ça, que tu es en train d'arriver. Et ça va se passer sans effort. Il y a aussi des choses qu'on t'avait promis. Quelqu'un avait mis dans sa tête qu'il va t'aider. Il a donné de l'argent pour que tu lances quelque chose, bien, je sais pas. Et cette personne a eu des difficultés. Donc la personne ne te contacte plus. Quand tu lui écris, la personne ne répond pas. Donc, il y a des offrandes que tu dois faire. Ça va débloquer cette partie-là. Et aussi, beaucoup d'entre vous, votre don de vision. Certains d'entre vous, vous pouvez voir les mauvais esprits. Vous pouvez parler aux esprits et quitte. Vous pouvez prier pour les gens qui guérissent. Donc ça, ce sont des dons que vous allez commencer à faire, vous allez monétiser. Et aussi une personne qui va tomber enceinte, je sens, je te vois avec ton ventre, tu touches comme ça, l'enfant bouge. En fait, tu as même déjà abandonné, hein. Et puis si ça se trouve, même tu es enceinte, si ça se trouve, tu es même enceinte, mais tu ne sais même pas.
Tu dois nommer l'enfant là Emmanuel. Dieu est avec nous. Et il y en a parmi vous, vous ne le saviez peut-être pas, mais votre façon de parler a changé. Avant, vous vous plaignez beaucoup. Et maintenant, vous n'arrivez même plus à voir un problème. En fait, il me demande de vous dire que rends-toi compte qu'avant, tu te plaignais beaucoup. Avant, tu avais beaucoup de problèmes. Maintenant, rien n'a presque changé, mais ton attitude a changé. Ils étaient dit que c'était ça qui était donc, c'était un peu comme le précurseur. Ils avaient besoin de ça pour commencer. Il y a là parmi vous, beaucoup d'entre vous, vous allez dormir. Beaucoup, vous allez beaucoup dormir. Vous allez beaucoup dormir et pendant que vous êtes en train de dormir, vos anges vont opérer sur vous. Ils vont vous guérir pendant le sommeil. On fait le bain de pipi pour partir vous coucher encore là. En fait, ils m'ont dit de vous dire que la fatigue que vous avez quand on fait le bain de pipi, en fait, c'est pour que vous vous allez coucher et que vous soyez restauré. Il y en a parmi vous, vous allez, pour Noël, si ils vont vous demander de donner, faites un salaka, envoyez un peu, achetez les habits de Noël de même de 5 enfants dans votre famille. Avant la fin d'année, vous devez mettre beaucoup d'encens pour, vous devez stériliser votre maison, purifier votre maison, voilà. Purifier votre maison. Beaucoup d'entre vous, vous avez la capacité de connecter avec les anges. Quelqu'un peut venir devant toi, tu parles avec ses anges. Tu parles avec ses ancêtres. Parole divine, je vais te bloquer, tu as compris? Donc beaucoup d'entre vous, ils vont venir, ils viennent à vous, vous pouvez vous connecter. Et avant, vous aviez honte de cette capacité. Certains parmi vous, vous allez même vous mettre ensemble avec d'autres personnes qui ont déjà des clients et vous allez commencer à consulter spirituellement les gens. Parce que quand on vous a formé au départ pour être voyante, on vous a formé pour vous jeter dans la nature, on vous a abandonné. Donc vous vous retrouvez, vous êtes retrouvé pendant des mois et des années perdus. Vous avez acheté les outils, vous avez pris tout, maintenant vous êtes perdu. Il me dit de vous dire que vous allez être maintenant reconnecté. Vous allez retrouver votre communauté. Et cette connexion va vous donner confiance pour avoir l'argent. Vous allez voir comment d'autres personnes se font de l'argent avec leurs dons. Parce qu'ils me mettent vraiment ça à cœur, que beaucoup d'entre vous, le don de prophétie, il y en a parmi vous, si vous touchez seulement quelqu'un comme ça, il va guérir. Si tu masses le dos de quelqu'un, il va guérir. Ils me disent de vous dire de ne pas avoir peur parce que ces dons ne peuvent pas être pris. Certains, vous avez le don de l'enseignement. Vous avez le don de l'enseignement. Vous allez même faire carrément des écoles ou bien je ne sais pas. Et les gens vont beaucoup venir. Ils vont venir à vous pour écouter. Il y en a même, vous vouliez faire un centre de formation depuis. Ça va se concrétiser l'année qui arrive. Je vois d'autres avec sa voiture, ta voiture. Finalement, tu vas acheter ta voiture là. Si c'est la Prado, si c'est la RAV4. Tu vas soit la Prado, soit la RAV4. Pour l'autre, tu vois la Fortune carrément. En tout cas, c'est une costaud de voiture. Il y a d'autres, tu as appliqué dans une banque depuis, tu as fait une application, tu as demandé.
Et la banque t'a fait attendre trop longtemps. Donc tu vas recevoir les réponses cette semaine. Ce sera une réponse positive. Mais je te dis que ce qui était là qui bloquait ton argent que tu as demandé est enlevé maintenant. Sabrina, merci. Bonjour. Parole divine, je vais te bloquer. Oh. Vous serez tenté de dire que votre travail n'a pas marché, mais ils me disent de vous dire que votre travail a effectivement marché. Donc, il faut que votre bouche s'accorde et que ça confesse cela. Je vois aussi une autre personne, tu sens, il y a l'énergie qui vient en toi. Tu as beaucoup d'énergie. Tu vas même aller là où tu avais demandé les papiers. Tu as dit que, mais depuis là, vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi? Tu vas les appeler. Bonjour, j'appelle pour mes papiers. Donc, en fait, tu as une énergie. Tu vas foncer sur ce qui te faisait peur. Voilà. Tu vas foncer sur ce qui te faisait peur. Ne cherchez pas là où je serai physiquement. Si vous voulez venir faire votre lavage à doigts, là, vous venez. Ne cherchez pas là où je serai physiquement. Merci pour les fleurs. Ok. Il y en a parmi vous, vous avez des capacités. Vous êtes comme des gourous. Vous êtes comme des personnes qui. Que beaucoup de personnes viennent à vous pour avoir la sagesse. Et avant, la jalousie des gens vous faisait peur. Les critiques des gens vous faisaient genre. Qui suis-je même pour croire que les gens vont venir à moi? Tu as même servi dans un ministère et quand Dieu t'a donné cette révélation, tu as eu peur et la personne du ministère où tu étais, le prophète ou la prophétesse là, t'a frustré. Ça t'a fait te refermer sur toi-même. Donc là, ta saison de t'ouvrir à nouveau est arrivée. Lance une page. Lance une page. Que toutes ces frustrations sont en train d'être retirées. Lance une page. Partage ce que tu as. Il y en a aussi, me dit, montre quelqu'un, on t'a montré tes dons, mais tu te dis, ah, moi, est-ce que je peux aussi faire ça? Il y en a, mais vous avez, quand je fais certaines choses, vous voyez, vous avez ça en vous aussi. Mais vous avez honte. Peut-être parce qu'au départ, vous avez un peu jugé ça. Vous avez un peu honte. Il y en a aussi, vous allez être très concentré. Je crois que cette année, vous allez sortir votre livre. D'autres, vous allez chanter. D'autres, vous allez finalement lancer votre business. Merci pour les roses, Christophe et Pierre. Vous êtes en train de grandir en onction. Et surtout, votre mindset par rapport à vos dons est en train de changer cette année.
Il y en a qui vont même vous dire, je vois quelqu'un, tu es en train de prendre tellement d'assurance en toi, quelqu'un va venir dire que tu te prends pour qui? Que c'est moi qui t'ai fait, non. L'esprit me dit de vous dire que personne ne vous a fait, c'est lui qui vous a fait. Comme Abraham a dit qu'il ne voulait pas que quelqu'un dise que c'est moi qui t'ai fait, et personne ne vous a fait. Bon. Vos ancêtres montrent que vous avez brisé beaucoup de barrières. Ce qu'eux, ils voulaient, dans leur vie, n'ont pas pu voir. Même votre mère n'a pas pu voir. Maintenant, vous, vous êtes en train d'entrer, vous êtes en train d'entrer dans cette bénédiction. Acceptez-le. C'est le fruit du travail de ces personnes aussi. Vous voyez reçu dans les plateaux télé, vous avez votre chaîne et ça reçoit beaucoup de vues. Et vous avez grandi dans une maison où vos paroles n'étaient pas très écoutées. Votre père était très strict, un gendarme ou un enseignant. Donc vous avez tout été frustré, votre parole ne sortait pas. Donc ils sont en train de libérer votre voix. Vous allez faire des vidéos, vous allez parler des abus sexuels que vous avez subis. Vous allez parler des avortements que vous avez subis, que vous avez fait. Vous allez parler des sujets tabous. Mais cette fois, vous aurez la voix et le courage d'en parler. Et ça va vous libérer, ça va libérer les autres personnes. C'est ça qui va faire justement que les feux soient mis sur vous, qu'on vous voie. Je ne prophétiserai sur personne ici. Je donne une parole, ça te plaît, tu prends. Donc arrêtez de me demander que, est-ce que ça va faire comme ça. Arrêtez. Vous allez entrer dans une saison de votre vie où vous allez aussi devenir très belle, comme vous allez rajeunir carrément. Et je crois que ça a déjà commencé. Je crois que depuis quelques jours, les gens vous disent qu'on vous complimente beaucoup. On demande même votre âge, on est surpris. Il y a cette période où le Seigneur est en train de tout restaurer. Joël 2, toutes les années qui ont été volées, les années qui ont été volées, il est en train de les restaurer. Et à ce temps aussi, vous avez voulu fermer votre magasin parce que vous n'avez pas les bons collaborateurs. Il me dit de vous dire que cette année-ci là, vous allez avoir, les personnes fidèles vont venir à vous. Et votre business va, boum, ça va exploser carrément. Vous allez aussi tomber sur un réseau de vente de choses qui va faire que vous allez carrément changer des conteneurs. Vous allez charger des conteneurs carrément. Donc, il y en a parmi vous, vous avez passé beaucoup d'années dans un pays. Beaucoup, certaines, vous avez passé beaucoup d'années dans un mariage et ça vous a séché. Donc, il est en train de restaurer ces années. Il est en train de vous. C'est comme s'il remettait de la chair sur vos os, comme dans Ézéchiel 37, là où Ézéchiel prophétise sur les os. C'est pour ça qu'il vous dit, en une semaine, vous allez avoir vos papiers, la maison, le boulot et même le mari aussi. Tout ça va se passer en un très court temps comme ça là. Quand vous serez conduit à vous reposer, reposez-vous. Parce que c'est dans votre sommeil qu'ils vont vous guérir. Beaucoup d'entre vous aussi, vous allez lancer votre propre business. Ceux qui avaient peur, votre argent se trouve dans le business. Donc cette année, vous allez le faire. Vous allez sauter le pas finalement. Et ça va boomer vraiment, ça va fleurir. Je vois aussi les peurs, beaucoup d'entre vous aviez peur. Les gens qui croyaient qu'ils étaient votre vie. On a risqué de te perdre.
Il y a des gens qui étaient dans votre vie, qu'avant vous croyez que sans eux, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Donc, on me montre en fait que dans cette période-ci, vous allez devenir tellement indépendante. Tellement. Tu te lèves le matin comme ça, tu n'appelles pas la personne, tu es heureuse. Tu es devenue indépendante. Des idées même. Quelqu'un qui croyait que. Quelqu'un qui te fait le chantage. Tout le temps, il t'appelle, il fait comme s'il voulait t'aider pour ton business. Alors qu'en fait, il t'exploite. Il y a une dame qui elle m'amène une fois à la réunion, non? Je dis, ah, elle est tellement gentille. Elle m'amène à la réunion. Waouh, elle me conseille, non, fais la réunion, fais la réunion. Je pars dans la réunion. Après, la dame dit, non, tu sais, est-ce que je peux bouffer à ta place? Donc, l'esprit me dit de vous dire que les gens qui voulaient vous exploiter, il y a des situations qui vont sortir comme ça, là, boum, ils vont quitter derrière vous comme bien. Donc, tout va se passer comme ça, là. Vous allez m'arriver à la réunion, vous n'allez même plus lui parler. Je t'ai dit. C'est comme ça que leur cœur va gonfler. Oh my God. Donc, les cotisations de l'année passée que vous faisiez et vous payez à peine un an. Quand ils vont relancer en janvier, vous allez vous retrouver de prendre deux, trois noms. Est-ce que votre statut financier va dans un des pays où vous étiez avant? Vous allez retourner dans ce pays-là, mais vous n'avez plus vivre dans le même quartier que vos anciens amis. Vous serez en bengue avec la voiture et le chauffeur. Vous aurez les ménagers en bengue. Vous aurez les valets, les cuisiniers, les jardiniers. Quand vous avez lancé votre plateforme il y a de cela des mois ou des années, et vous voyez souvent sur YouTube les gens qui vous disent qu'ils ont fait telle somme d'argent en ligne. Avant, ça vous étonnait, mais maintenant, vous êtes dans cette période-là où vous-même, vous avez commencé à voir ça venir. Ils vont vous montrer aussi d'autres moyens de vous faire de l'argent en ligne. Donc, ça, c'est cette année qui vient, vous allez payer beaucoup de formations. Vous allez accroître votre réseau. Vous allez devenir chef d'entreprise. Je vous vois arriver dans votre bureau. Vous arrivez comme ça, votre voiture, tout ça là. Chef d'entreprise. Oui. Vos pages vont marcher sans publicité. Evelyne, où c'est Evelyne? On dit Amen. Tu dis que Dieu m'entende. Ma chérie, Dieu m'entend toujours. Hein? Moi, il ne doute pas. Si tu doutes ta part, c'est tant mieux pour toi. Moi, il ne doute pas ma part. Et je ne doute pas de ma part. Oh. Je dis que Dieu m'entende. Donc, quand il dit que tu as prié, c'est que Dieu entendait. Ouais, Seigneur. Beaucoup d'entre vous, avant on pouvait vous appeler n'importe comment. Maintenant, pour vous parler, les gens de votre famille vont même seulement attendre. Ils vont passer par vos secrétaires. Et aussi des personnes que cette année en 2023, vous allez devenir célèbres.
Vous allez devenir célèbre. Oui. Le Cameroun est devenu célèbre à cause du Brésil, non? Pourquoi vous doutez? Si tu pars dans n'importe quel pays avec ton maillot, va essayer, non? Pour porter vos sortes avec. Même le blanc va dire que. Vous allez devenir célèbre. Beaucoup, vous allez nourrir les gens. Vous allez nourrir spirituellement et vous allez nourrir physiquement. Vos paroles vont nourrir les gens. Vous aurez une plateforme où vous allez aider les gens à guérir. Et ces gens vont venir vous payer. Beaucoup d'entre vous, vous allez commencer à vous aimer. Tellement que vous allez aussi aider d'autres personnes à s'aimer. Et vous allez, parce que quelqu'un qui refuse l'argent pour son service, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas encore. Quand tu commences à t'aimer, tu commences à croire que si je peux prendre mes 30 minutes pour m'asseoir, je t'aide à résoudre un problème que tu as depuis 5 ans. Mais je mérite que tu me donnes quelque chose. Ce qui fait que beaucoup d'entre vous, avant, vous deviez aider les gens à pouvoir partir encore travailler pour pouvoir payer le loyer. Maintenant, Dieu me dit de vous dire que vous allez combiner les deux. Vous allez aisément combiner les deux. Tu vas aider quelqu'un, tu finis d'aider les gens pendant 6 heures de temps, tu sors, tu payes ton loyer avec cet argent. Merci Rumi. Je pense que mon chapeau est beau, merci. Je ne parle pas pour tout le monde, amazing. J'ai bien dit au début de cette vidéo que ce message aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui ont déjà commencé leur travail spirituel. Donc quand je parle, ça va résonner avec vous. Si vous êtes encore nouveau, vous êtes déjà des personnes que vous venez vous plaindre là. Dès qu'il y a des gens, si tu n'es pas prêt, tu peux recevoir mes paroles aujourd'hui. Vous êtes une lumière. Moi, je vous dis que vous êtes une lumière. En anglais, on dit light worker. Vous êtes un agent de lumière. Vous êtes une lumière. Quand vous entrez quelque part, les gens disent waouh. Donc vous êtes une lumière. Alright, on a terminé. Regardez le direct à nouveau. Certains de mes directs, je vais les enlever sur la page. Ok? Parce que je vais mettre ça sous forme d'enseignement, une série d'enseignements. Bon. Que tout ce que vous avez écouté aujourd'hui. Bonne journée.